Bonjour à tous. Je suis content de bien sûr de ce trophée. Je veux rendre gloire à Dieu pour ça. Je pense qu'on doit être fier de notre parcours jusqu'ici. On a fait une grande CAN. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas parié sur nous. On n'a pas été attendu à ce niveau-là et à arriver jusqu'au dernier carré. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit retenir. C'est le positif qu'on doit garder et avancer. Ça revient à ce que je viens de dire justement. On a manqué de réalisme dans le dernier carré, dans les derniers mètres. Du coup, on n'a pas su marquer le but peut-être qui nous aurait permis de gagner ce match. Du coup, parce qu'on a bien vu qu'en deuxième mi-temps, l'Afrique du Sud, peut-être pour cause de fatigue, parce qu'ils ont joué des prolongations deux fois de suite, ont eu du mal à terminer le match. Contrairement à nous qui avions une profondeur de banc et qu'on a pu l'utiliser sur la fin du match aussi, on a poussé, mais malheureusement on n'a pas su marquer le but qui nous aurait fait gagner le match. C'est sûr que ces matchs de 3e ou 4e place restent importants quand même parce qu'on veut bien finir la compétition. Donc forcément il y a une forme de déception, mais elle n'entache en rien le super parcours qu'on a pu faire à la CAN et ce que les joueurs ont donné durant les 5 semaines. Voilà, après, si on n'est pas 3e mais on est 4e, c'est parce qu'on a pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions qu'on a eues, parce que je pense que sur les 90 minutes, on a été meilleur que notre adversaire. Les stats le démontrent. Après, ce sont des matchs qui sont très serrés. Et puis au pénalty, il y a une part de qualité, une part de chance. Et on n'est pas à l'abri. On en avait gagné contre l'Égypte. Ce soir, on le perd. C'est le football. Mais en tout cas, voilà, on avait fait pas mal de turnovers. Ce que j'ai vu ce soir des garçons reste quand même très intéressant. Ça démontre qu'il y a un vivier intéressant. On a surtout sur les 15 premières minutes dû gérer le changement de leur système quand ils avaient le ballon avec l'arrière droit très très haut pour essayer de trouver le 9 sur la profondeur et nous mettant un contre un derrière. Après sur l'utilisation du ballon, bon, je pense qu'on a eu des occasions aussi en première mi-temps. Après les consignes étaient claires, c'est-à-dire qu'on avait décidé d'animer à 3. Derrière, on a pas mal trouvé nos joueurs dans les aspects, les relais pour aller chercher nos couloirs. Ça a été plutôt bien fait. Mais voilà, après au football, on peut pas avoir autant d'occasions et pas marquer. C'est tout simplement pas possible. Les matchs se ressemblent pas, les rapports de force sont pas les mêmes. Je pense que la Côte d'Ivoire a été plus forte que l'Afrique du Sud en demi-finale, même si l'Afrique du Sud a un système et avec un jeu d'intérieur qui part de son gardien. Donc voilà, on connaît bien leur plan de jeu. Donc on était un peu plus à l'aise peut-être au milieu de terrain que ce qu'on a été sur la demi-finale. Par contre, oui, voilà, tout le monde l'a eu. Je pense qu'on doit tirer 13 ou 14 fois au but de temps en temps avec des cages vides. Donc à un moment donné, bien sûr que tout ce qu'on fait va nous servir pour la suite, c'est une évidence. Voilà, on a cet élan, on a cette envie d'aller l'attaquer, on a des zonages qui sont déjà réglés sur nos triangles, sur l'intérieur ou à l'extérieur. Enfin bon, voilà, on sait ce qu'on fait. Voilà, après, il faut être plus performant sur la zone de finition, parce que au final, dans le rapport des occasions aujourd'hui, il n'y a pas eu. Voilà, on a beaucoup trop d'occasions par rapport à notre adversaire pour pas s'imposer. Non, mais je comprends ce que vous dites, mais vous avez la bonne lecture du match. C'est vous avez raison. Après, on a fait démarrer un nouveau joueur, on a changé de système, on a mis les deux attaquants, toutes les forces vives qu'on avait sur le terrain. Donc à un moment donné, on pêche dans ce domaine-là. Donc ça doit être un axe de progression pour nous. De toute manière, comme je l'ai dit, on a fait une belle CAN. Mais si on la gagne pas, c'est qu'à un moment donné, on a encore des choses à régler. Ça en fait partie, parce que au final, quand on bilantera statistiquement cette CAN, on s'apercevra que on doit être
je sais pas, une équipe qui a eu beaucoup, beaucoup d'occasions sur l'ensemble de la compétition et qui a un rapport finition, voilà, attaque-finition qui est trop déséquilibré, quoi. C'est une évidence. Alors, c'est déjà pour un coach ou pour une mise en place, parce que ce sont des matchs de très haut niveau. Voilà. Donc d'avoir cette mainmise sur les matchs aussi, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. On pourrait être beaucoup plus inquiet si on n'arrivait pas à se créer d'occasion et qu'on marquait pas. Voilà, donc non, il faut continuer à travailler. Et puis moi, ce que je retiens ce soir, c'est que les garçons, quand on les regarde jouer, on sent qu'ils donnent le maximum sur le terrain et qu'ils se battent tout le temps, même quand ils sont fatigués. Ça, c'est, pour moi, c'est déjà important parce que je sais qu'on a la qualité. Donc avec la qualité et cette abnégation et cette niaque qu'on peut avoir sur le terrain, on peut faire des choses. Et puis, il faut rappeler aussi que on est très content d'avoir fait une belle CAN, et que je pense qu'on a une marge de progression à tous les niveaux. On a passé quand même pas juste les deuxième équipe. Pardon, les occasions. Excuse-moi. On n'a pas menti. On est passé dans le tir. Le tir, c'est contre la chance. Mais on a pris notre chance. Après, on a laissé ça. Sincèrement. Et après, c'est comme ça. Moi, j'ai raté. Yassine, c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Le plus important, c'est de retourner. Bien bosser. Chancel, qu'est-ce qui est... Moi, je ne suis pas déçu. Non. Dans la vie, moi, je ne suis pas déçu. Le plus important, quand tu tombes, il faut relever bien. C'est passé, ça fait mal, mais personnellement, ma vie, c'est comme ça. Mais... quand je tombe, je ne regarde pas derrière. Ça fait mal d'un coup, peut-être comme moi. Moi, j'ai loupé, j'assume. Parce que j'ai loupé, il fallait, je marque. Mais j'ai loupé, dommage. Ça arrive. Après, le plus important, on va continuer à travailler. Les leçons à retenir de la participation de la RDC dans cette compétition, qu'est-ce qu'il faut garder pour les prochaines échéances? Très belle image, mm-hmm. Personne ne croyait à nous, on a travaillé. Après, on attend les journalistes, mm-hmm. Vous, pour donner les critiques, mais nous, on a fait notre boulot. Ok. Le regret, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre ce but qui aurait fait la différence. C'est celui qu'on a. Quand on a tenté d'aller chercher, voilà, les occasions on les a eues ce soir, on en a eu beaucoup. Maintenant on n'a pas eu la réussite qu'on voulait. Je pense à l'image de cette compétition où on a pêché dans ce domaine, on va dire, parce que défensivement on a été solide, dans l'ensemble on n'a pas pris de produit, pardon. On a rarement été mis en danger à part sur les phases arrêtées et sur quelques matchs, mais sinon en globalité je pense que c'est cette finition, cette phase offensive où on a manqué de justesse, on a manqué de. Du bon geste, on a peut-être manqué de lucidité, donc voilà, c'est ce qui nous échappe ce soir. C'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, qu'on aura en juin les matchs, et ensuite il y aura la qualif pour la CAN. Donc voilà, on va travailler pour arriver à ces objectifs-là. Berto, quelle a été votre satisfaction durant toute la CAN? La satisfaction? Oui. C'est un peu toute la CAN, hein. Franchement, tous les matchs qu'on a eus, d'arriver si loin, c'était beau pour nous. On était très contents et très fiers. Donc, je pense que toute la CAN a été un point positif. Mais ça vous fait quoi de jouer finalement quelques. J'ai pas entendu. Ça vous fait quoi de jouer votre premier match de l'histoire au niveau de la CAN? J'étais très content, très fier. Après, dommage, ça se finit par une défaite. Mais en tout cas, j'étais très content. Mais après une belle performance, quels sont vos objectifs pour la prochaine CAN, bientôt en 2025? C'est d'essayer d'aller encore plus loin, d'essayer d'aller en finale et pourquoi pas de la remporter. Après voilà, on va travailler pour arriver à nos objectifs, déjà se qualifier pour la prochaine et on verra par la suite. Et comment vous avez trouvé le championnat africain vu que vous évoluez plus en Europe? Moi je trouve qu'il y a beaucoup de qualité sur le plan physique et sur le plan technique aussi. Il y a des super joueurs, donc je pense que l'Afrique mérite de se faire encore plus voir. Berto, c'est la fin du parcours, bien sûr. Vous avez profité de la CAN également pour véhiculer des messages en faveur notamment de la population de l'Est de la RDC. Est-ce que vous avez un message particulier ce soir à lancer à cette population-là, une fois de plus? Qu'on est avec eux, on a essayé de faire passer le message à notre échelle pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Donc, on l'a fait, je pense qu'on continuera jusqu'à ce que ce ne soit pas fini. Et on est donc prêts avec eux.
justement avant la demi-finale et ce match pour la troisième place, on vous sentait affecté moralement. Est-ce que c'est ça aussi qui explique peut-être cette défaite ce soir? Je pense pas. Je pense que ça reste sur le terrain, le fait qu'on ait perdu. Après, si en dehors, nous, on est des porte-parole aussi de la nation. Et vu qu'on est beaucoup médiatisé, on veut que les gens puissent bien voir ce qui se passe et donner le message. Après, bien sûr, ça nous affecte, mais après, pas sur le plan football. Sur le plan football, ben, c'était un match, ça s'est passé comme ça. Merci.